Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode sur Alien Isolation. Donc, je me suis un peu éloigné du point de sauvegarde vu qu'il y a la porte et puis il y a notre pote qui se balade un petit peu derrière. Donc, je préfère éviter. Donc, là, je sais pas trop par où il faut que j'aille, mais bon, je vais y aller. À mon avis, c'est en bas, donc on va voir. What? Bref, donc il va falloir que j'aille, je sais pas où en fait. Changer les piles par contre. Voilà, ça sera fait. Donc on avance. Donc dans l'épisode précédent, on a esquivé l'alien, le droïde et tout le bazar. Il y a quelque chose par là, mais il n'y a pas. Pas possible. Super. Ça, on a déjà vu. On revient sur nos pas. Oh putain, m'en fous de merde. T'étais gentil au début, mais là tu vas me casser les roustons. Et je peux pas passer par là, c'est vrai. Oh, putain. C'est le seul chemin. C'est ça, c'est le seul chemin. Ce mec il aille ailleurs. Oh il y en a deux. C'est dans les conduits. Elle me suit. Elle me suit. J'ai la créature qui me suit, il y a ce machin qui sont dans le secteur. Allez, ça donne quoi ça? Histoire. Appel maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? J'attends un appel et Apollo. Veuillez patienter, votre appel est en cours de redirection. Numéro d'appel. Allô, mon lambda a un étrange comportement, il n'écoute rien de ce que je dis. Je, Apollo. Veuillez patienter, votre appel est en. Ouais, d'accord, en gros, il coupe tout. Il coupe tous les appels à la noix. D'accord. Numéro d'appel, d'accord. Passez-moi le bureau de Marshall, c'est une urgence. On est en train de voler mon magasin. Je, Apollo. Veuillez patienter, votre appel est en cours de direction. Il est mort, il l'a tué. Je crois qu'il est encore ici. Veuillez patienter, appel. Oh la foirée! Je sais pas du tout où je vais, mais bon. Alors. J'active l'éclairage. Ce que je peux faire, de toute façon, il n'y a rien d'autre qui m'est disponible. On attend de rebrousser le chemin vers la gare en fait. Il y a des trucs intéressants là. Je me fie des conduits quand même, parce que soi-disant que c'est un endroit sûr, mais il y a autre chose qui s'y balade dedans.
Ah, je suis revenu là avec la porte, machin. T'as fini de me coller. Putain. Ça c'est la bestiole. Elle me suit de toute façon, hein, j'ai pas cherché. Il m'énerve avec ses yeux rouges. S'il faut que j'aille par là. À travers la grille. Elle va me tomber sur la gueule. Elle est dans les conduites là. Oh, putain, et lui il lâche pas l'affaire. C'est la bestiole parce qu'elle m'envoie des fous. Oh putain, quelqu'un est toujours là pour vous. Pour vous aider. Il va falloir un leurre. Là. Et je vais le balancer là-bas, ce qui devrait attirer l'autre. Et me libérer le passage. Marche pas plus vite. Eh ben dis donc, je suis passé. Allez, mais là je parle pas trop. Il faut vraiment que je sois concentré, que je gère tout ce qui vient de tous les côtés, quoi. Pouah. On verra tour Simed. Ah, c'est qu'on est revenu là où elle était. Bon, faut aller en face. Oh l'enculé! Regardez où vous marchez! Voilà, on est revenu dans la zone des transports. Passe requis. J'ai toujours pas mon passe, d'accord. Toi, je t'aime. Voilà, eh ben putain.
vois le trajet. Par contre, je vais me soigner. J'ai plus de quoi me soigner, d'accord. J'avais plus qu'un, je vais l'utiliser. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solutions. Méchant aujourd'hui. Et tu fais quoi là? Fous de la gueule du moins. Je te vois. Bon, faut que j'aille vers où moi? Mais c'est étonné, c'est un CIMED, c'est celle-là. Mais je sais ce qu'ils foutent là, les autres. Je sais que t'es là. Bouh! J'ai compris. Oh putain de merde! D'accord! J'ai compris pourquoi! Oh la salope! Oh putain, d'accord, et c'est simplement de rester en vie, ne les contrariez pas, ils ne vous causeront pas de problème. D'accord! Et c'est en fait, c'est eux que la bestiole chasse. Oh mais merde! Bon, bah on lui a dit bonjour. Ouais, je me casse. Bon, ben les feuilles, de toute façon, ça fait partie de l'aventure, hein. Ça, voilà quoi. Oh putain. C'est en cours, s'il y a trop de gens, elle débarque. J'aurais réussi à fermer le transporteur avant, il m'aurait pas chopé. Elle est vachement intelligente, la bébête. Cette station dessert la maison médicale San Cristobal et Sixon Synthetics. Ripley? C'est toi, Ripley? Reposez-vous, Taylor. Comment va-t-elle? Il lui faut un traitement. Le centre médical est proche, mais je ne voulais pas la laisser seule. Je vais aller faire un tour, voir ce que je peux trouver. Restez avec elle. Je vais essayer de réparer l'amplificateur radio. Et si la créature nous attaque? Cachez-vous. Une faille de sécurité non autorisée a été détectée. Tous les transits sont suspendus sur ordre d'Apollo. Restez avec moi. Ripley va aller chercher de l'aide. Petit point de sauvegarde. Bon, on sauvegarde le fail, tant pis, hein. Au moins, on a vu ce que ça fait de se faire tuer par la bestiole. Je fais exprès d'aller à l'opposé, hein, comme d'hab. Get out. Ok, d'accord, moi ça mérite d'être clair. Fermé, ça j'ai remarqué. Bon, on avance. Les stations sont quasiment toutes sur le même modèle. C'est E2, c'est normal. Cadavre. Y'a rien d'intéressant là? Non. T'as un bon chien avec ce bruit. Verrouillé.
Il y a des gens derrière. Je cherche un médecin. Vous m'entendez? Je cherche un... Je vous entends pas. Attendez. Montez, je vous ai ouvert l'ascenseur. Allez, venez! On n'a pas de temps à faire. Ok. Et vous, au-dessus, et en-dessous de vous, vous êtes à penser qu'il y a quelque chose qui rôde des alentours. Sans déconner, on n'avait pas deviné, quoi. Le gros machin noir avec des putains de griffes et une queue qui peut te traverser la tête. Ou le corps, à l'occasion, ce qui nous est arrivé. Entrons dans la maison médicale de San Cristobal. Coucou. On peut pas aller par là. Oubliez la porte, les marchands l'ont tout verrouillé. Passez par le conduit d'aération. Ok. Je suis atteint. Doucement, vous servez le conduit derrière vous. C'est juste au cas où. Pas connu aussi long. Heure de visite, 10h, 13h et 15h, 19h. Merci de votre compréhension. Alors, on va se calmer là, je vais bien zuter le secteur. Carte d'accès requise, ok. On sera obligé de revenir ici. Il y avait des caisses planquées. Dans... On n'est pas vraiment sur notre meilleur jour. Je vois. Il y a un petit point de sauvegarde. Voilà, ça c'est fait. Je suis Coleman. Ripley. Je cherche un médecin. Je suis médecin. Mon ami a besoin d'aide, de matériel médical. Moi aussi. Désolé, il n'y a pas de matériel à cet étage. Par contre, il y a tout ce que vous voulez en bas, au dispensaire de l'hôpital. On y va comment? Comment ça, on? Vous trouvez que j'ai l'air en état de faire tout ce chemin? Écoutez, j'ai besoin de votre aide et vous de la mienne. Si vous réussissez à trouver le code de l'ascenseur de service, je descendrai ensuite au dispensaire avec vous. Ça marche? Le code? Exactement. Je peux vous guider d'ici, si vous voulez. Morley ou Wingard devaient sûrement avoir le nouveau code d'accès. À mon avis, on aura plus de chance dans le bureau de Morley. Ok. Je pense qu'il faut que je prenne le conduit là. Bon bah. Go. Là, c'est les conduits à rallonge. Je pense que ça fait de la croisée dans les conduits. On va aller par là. C'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait un passage par là quoi. Je vais pouvoir m'en fabriquer des medikits. Toc. Y'a rien d'autre, je vais en fabriquer tout de suite. Je vais passer, d'accord. On va rester là. Il m'énerve mettre des faux positifs ce truc. Putain, j'ai fait une boucle à la con en fait. On a combien? 20 minutes? Ouais, je vais sauvegarder. Il y avait marqué ennemi proche.
Donc ouais, la créature doit pas être bien loin. Ce qui est marqué quand je mettais le truc là. Bref, sur ce, mais moi je vais vous laisser, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère en tout cas que ce dernier vous a plu. Je prends en plus à me faire pour vous, en tout cas moi ça me... Ce jeu me plaît beaucoup, alors là c'est pour ça que j'enchaîne les épisodes en fait, là les trois derniers je les ai fait à la chaîne. Parce que j'avais vraiment envie d'avancer quoi. Mais là je vais me refrainer, je vais m'arrêter un petit peu, je vais attendre que ça évolue, ça avance un petit peu sur la chaîne en les mettant en ligne. Pour ensuite pouvoir continuer comme ça, moi si vous me mettez des conseils, des trucs comme ça, je puisse les appliquer pas trop tard dans les épisodes quoi. Voilà, donc sur ce, ben moi je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, et je vous dis à la prochaine pour Alien Isolation. Portez-vous bien. Ciao.